Bonjour à tous. C'est bon, c'est pas trop fort. Ça va? Ok. Bon, a priori, je vais baisser le volume petit à petit, il ne faudra pas hésiter à me crier dessus. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Julien Pramil, je travaille à l'INSEE dans une division qui s'appelle la division des statistiques et analyses urbaines. Et je vais vous présenter un package qui s'appelle Beyond the Border, B2B ou BTB. Et qui sert à faire du lissage spatial avec R. Donc, on va d'abord parler de lissage spatial rapidement, et puis ensuite on montrera un peu un petit exemple d'utilisation du package BTB sur un exemple très parisiano-centré sur les prix immobiliers dans la capitale en 2021. Donc nous, en fait, notre problématique, c'est que souvent, on est amené à traiter des données géographiques fines, donc souvent des points, de la donnée géolocalisée. Et donc, on a différentes manières de s'approprier les données, de les analyser, les cartographier. Donc, on peut citer trois manières usuelles de procéder, hein, on peut agréger ces données dans des polygones. En s'appuyant, dans notre cas d'usage, généralement sur des territoires administratifs. Une partition irrégulière de l'espace. Donc, typiquement, toujours pour rester très parisiano-centré, si on a des données géolocalisées sur Paris, ce qui peut sembler naturel, c'est de prendre les découpages en arrondissements et puis d'agréger nos données et faire des cartes. Le problème, c'est que on fait face à ce qu'on appelle l'effet MOP. Modifiable Real Unit Problem, qui est en fait simplement le fait qu'en procédant de la sorte, cet effet MOP, c'est qu'on va avoir tendance à déformer un petit peu, avoir une vision un peu biaisée de ce qu'on cherche à représenter, parce que la cartographie qu'on va produire, elle va être dépendante d'un découpage du territoire qui n'est pas neutre, qui peut être corrélé à nos données. Puis par ailleurs, on a aussi un problème d'échelle. Typiquement, si les arrondissements étaient deux fois plus petits ou deux fois plus grands, sur cette carte en haut à gauche, on aurait peut-être une vision un petit peu différente du phénomène qu'on est en train de cartographier. Donc du coup, une solution naturelle qui peut venir, c'est de se dire, je me débarrasse de ces découpages, et puis je vais simplement faire des polygones un peu différents, c'est-à-dire des petits carrés, quoi. Je vais découper mon territoire d'observation en petits pixels réguliers, et puis je vais faire la même chose, hein, je vais agréger mes données sur ces pixels, et je vais les cartographier. Donc là, effectivement, on réduit beaucoup nos problèmes d'effet MOP. Pour autant, c'est quand même pas hyper synthétique et pas hyper propre, et pas forcément facile de faire de l'analyse, quoi. Donc du coup, la solution du lissage spatial, c'est à cet endroit-là qu'elle intervient. Ça peut être vu comme une extension du carroyage, hein, qui consiste à décrire l'environnement d'une population dans un rayon donné. Et là, on va pouvoir obtenir des cartes expurgées de l'effet MOP, mais en même temps plus synthétiques, plus belles que nos données carroyées. Donc, pourquoi avoir développé BTB? C'est vrai qu'en fait, il y a d'autres packages qui existent, qui préexistaient même à BTB, notamment CairnSmooth ou SpatStat, qui a été évoqué par Timothée. C'est des packages, notamment pour le second, c'est un package qui est très complexe, moi je ne connais pas bien, qui permet notamment d'utiliser des algorithmes de choix de rayon de lissage optimal. C'est des choses que BTB ne fait pas. C'est un package qui utilise pour faire les lissages, des transformations de Fourier rapide. C'est une technique qui pose problème dans la gestion des effets de bord pour notre cas d'usage, qui est l'analyse urbaine. Donc nous, on avait besoin de faire du lissage qui soit conservatif, c'est-à-dire que si on a 1000 points et qu'on va chercher à lisser sur une zone d'étude, on a envie de récupérer, dans nos données lissées, on veut récupérer strictement 1000 points, l'information de ces 1000 points-là. Par ailleurs, on veut pouvoir gérer nous-mêmes les effets de bord, c'est-à-dire être capable de considérer une frontière selon ce qu'elle est véritablement. Typiquement, si on est en train de regarder le taux de chômage à Marseille, est-ce qu'on dilue l'information jusqu'à en envoyer dans la mer, parce que si on est sur une ville côtière, ou est-ce qu'on considère que c'est pas acceptable vu l'étude qu'on est en train de faire.
puis par ailleurs, il y a des endroits où on pourra se dire que c'est acceptable. Si on travaille sur Paris, est-ce que ce qu'il y a de l'autre côté du périph' doit influencer notre carte de Paris ou non, réciproquement. Donc, on voulait pouvoir gérer ce genre de choses, en tout cas avoir la main là-dessus. Ce qui revient en fait en bonne partie à imposer une zone de lissage nous-mêmes. Par ailleurs, j'aurais peut-être pas vraiment l'occasion de l'expliquer plus en détail, mais on voulait aussi pouvoir avoir un package qui nous permette de faire facilement du lissage quantile. Le lissage quantile, c'est une technique en fait qui est un peu différente, qui permet de lisser l'information tout en étant en ayant une méthode robuste aux valeurs extrêmes. Et typiquement, ça peut aussi nous permettre de lisser des rapports interquantiles, ce qui est assez chouette en fait en pratique, même si c'est peut-être pas souvent utilisé. Et puis, bien sûr, on avait besoin d'un algorithme assez rapide. Donc voilà, BTB, c'est un package R qui a été développé, il a été créé en 2018 au sein de l'INSEE, hein, par l'équipe qui était là à l'époque, au sein du même service. Au sein du service dans lequel je travaille. Il a été depuis régulièrement mis à jour, et pour la dernière fois en 2022. Et son cœur, du coup, est écrit en C++, hein, pour des raisons de rapidité. Et ce package, il a été taillé pour notre cas d'utilisation, donc il nous convient très bien. Quand on fait du lissage, du coup... il y a différents paramétrages. Hein. On a tout d'abord le choix d'un rayon de lissage. C'est pas dans l'ordre, mais on a un point d'estimation, en un point donné de la carte, on va estimer des valeurs lissées. Pour ça, on va choisir un rayon de lissage. C'est pour dire, en ce point-là, tu vas considérer toute l'information qui se trouve dans un certain rayon pour calculer tes valeurs lissées. Par ailleurs, au-delà du rayon de lissage, on va aussi utiliser un noyau, ou kernel, qui va lui indiquer la manière d'approcher ce voisinage. Donc là, c'est plus une question de pondération à la distance. Si j'estime en un point donné une valeur lissée et que j'ai des données à une certaine distance, plus ces données vont être éloignées, moins je vais les pondérer dans la valeur lissée calculée, estimée. C'est à ça que sert le noyau. Par ailleurs, on a comme paramètre la résolution, ou alors autrement dit le nombre de points sur lesquels on va calculer des valeurs lissées. Donc, typiquement, si on veut faire une carte de chaleur sur Paris, on va calculer un certain nombre de valeurs lissées. On ne peut pas en calculer sur l'ensemble du plan, il y a une infinité de points. Donc typiquement, est-ce qu'on va calculer des valeurs lissées tous les 20 mètres, dans toutes les directions, mais est-ce qu'on va le faire tous les 20 mètres, tous les 50 mètres, tous les 200 mètres ? À Paris, peut-être que si on estime des valeurs lissées tous les 50 mètres, c'est peut-être suffisant en fait. Mais si on fait une carte sur France entière, si on estime des valeurs lissées tous les kilomètres, tous les 2 kilomètres, c'est largement suffisant. Pour avoir un rendu agréable, quoi, une belle carte de chaleur bien fluide. Et enfin, ce que je disais, hein, on a dans le paramétrage, on a la façon de gérer nos effets de bord. Donc pour expliciter la manière dont les frontières géographiques et la zone d'observation sont prises en compte dans le lissage. Donc dans BTB, nous, le noyau, il est fixe. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est un noyau dit quadratique. J'espère que je n'aurai pas de questions là-dessus. Et par ailleurs, les autres paramètres, eux, sont à la discrétion de l'utilisateur. Hein. Donc c'est l'utilisateur qui choisit son rayon de lissage, c'est l'utilisateur qui choisit la résolution... Et même l'utilisateur peut donner une grille de lissage, c'est-à-dire dire voilà, tu vas m'estimer des valeurs lissées en tel et tel et tel point. Quoi. Mais il y a aussi des méthodes automatiques hein, si on ne veut pas s'embêter. Donc passons à un exemple un peu plus concret. Donc l'idée, c'est un exemple qui est tiré d'un tuto, d'une formation qu'on donne en fait, pour les agents de l'INSEE, qui est en ligne sur notre GitHub. Je donne le lien à la fin de la présentation, pour ceux que ça intéresse, qui veulent le refaire. On va au-delà de l'exemple qui sera présenté là, bien sûr. Donc on utilise des données qui sont issues de la base demande de valeur foncière. Donc c'est une base de données de transactions immobilières, maison, appartement, issues des données d'informations des notaires. Donc moi j'ai extrait en fait le millésime 2021 pour la petite couronne parisienne. Et ce sont des données qui ont le bon goût d'être géolocalisées.
Et dans notre exemple, on va voilà, simplement essayer de s'intéresser au prix au mètre carré des biens vendus. Donc, dans un premier temps, comment on fait? Déjà, on va importer nos données. Donc, nos données en bas à gauche, elles ressemblent à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir pour chaque ligne, donc pour chaque transaction immobilière, on va avoir un identifiant, un prix, une valeur foncière, une surface réelle bâtie, bon, autrement dit la surface en mètre carré, et puis des XY, donc la position géographique exprimée en Lambert 93. Voilà, donc ça, évidemment, on importe les données. On importe aussi des fonds de carte qui vont nous être utiles pour la suite. Enfin, ce que j'appelle fonds de carte, c'est juste du coup des données vectorielles, des contours des départements Paris plus Petite Couronne. Voilà. Et du coup, en fait, avant de commencer à lisser, là, nous, ce qu'on se dit, c'est on va regarder les prix au mètre carré dans Paris. Mais là, dans ce cadre-là, on va se dire que en fait, ce qui se passe juste de l'autre côté du périph, on considère qu'il y a un continuum urbain et que les ventes qui ont lieu de l'autre côté du périph, elles doivent, y a pas de problème pour qu'elles influencent les valeurs lissées qu'on va calculer à l'intérieur de Paris intramuros, et réciproquement quoi. Donc, dans ce cas-là, en fait, on a envie de faire un lissage sur des points un peu au-delà du seul périphérique. Donc on va, par une méthode avec un buffer, sélectionner nos points, nos ventes, dans Paris plus une petite, comment il appelait ça, une zone tampon. Donc pour ce faire, on transforme avec le package SF qui vous a été présenté tout à l'heure, on transforme nos points, notre data frame simple en un objet SF de points. On construit une zone tampon avec la fonction stbuffer du package SF. Là en l'occurrence une zone tampon avec une marge de 2000 mètres, et puis ensuite on fait une intersection géographique pour ne sélectionner que nos petits points à l'intérieur de notre zone tampon autour de Paris. Donc là on pourrait commencer à faire un lissage. Nous ce qu'on recommande dans les formations qu'on donne, c'est avant de commencer à lisser, faites un carvoyage pour s'approprier les données, être sûr qu'il n'y a pas de... s'approprier un peu les données très simplement. Donc BTB depuis sa mise à jour de 2022, il offre des petites fonctions très simples pour faire un carvoyage des données. Je ne montre pas spécialement comment faire, mais c'est dans le tutoriel. Et donc on peut agréger sur des petits carreaux les prix au mètre carré, puis on a une première vision des choses, qui n'est pas très belle, mais qui a le mérite d'exister et qui est brute. Donc là, il n'y a pas de lissage à ce niveau-là. Donc passons au lissage, à proprement parler. Donc il y a une grande fonction dans le package qui s'appelle BTB Smooth qui sert à faire du lissage. On a plusieurs paramètres possibles, mais au minimum 3. Cette fonction, il faut lui renseigner évidemment notre table des points, qui peut être un data frame simple avec des XY pour la géolocalisation, mais ça peut aussi être un package SF, un objet SF. La fonction va se débrouiller avec ça. On lui renseigne un rayon de lissage et en mètres, et on lui renseigne une taille de carreau en mètres, une résolution, quoi, la granularité de la grille des résultats. Et petite subtilité, il faut vraiment que dans notre objet là, point, il faut vraiment que ce soit une base uniquement avec des colonnes numériques. Donc que ce soit là, c'est les prix et les mètres carrés qu'on a sélectionnés. Si vous mettez d'autres variables caractérielles, ça va bugger, il va vous dire qu'il ne veut pas. Quoi. Parce qu'en fait, la fonction elle va faire des lissages sur toutes les variables numériques que vous lui renseignez. Le résultat de ce lissage, en fait, du coup, c'est un data frame mais de type SF. Donc on a nos deux variables, les prix et les mètres carrés, qui ont été lissés en chaque point d'estimation. Donc le point d'estimation avec ses coordonnées XY. En fait, les points d'estimation, c'est les centroïdes des petits pixels. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on prend Paris, on le découpe en petits pixels d'une taille e-cell size. Donc là, c'est des petits carreaux de 50 mètres. Et puis dans chacun des petits carreaux de 50 mètres, au milieu, dans le centroïde, ce sera les points sur lesquels on va faire des estimations lissées. Après ça, on peut calculer donc nos prix au mètre carré lissé en prenant notre variable de prix lissé divisé par notre variable de mètre carré lissé. Donc là, on obtient le ratio lissé que l'on souhaitait. Après, ce qui reste à faire, c'est simplement une carte choroplète de nos petits pixels, quoi.
Donc ça, c'est une carte qui est faite avec MapSF et qui nous permet de voir les prix au mètre carré dans Paris intramuros. Donc rien de révolutionnaire. Les prix sont élevés dans le centre, en portant un peu à l'ouest. Et puis ils sont relativement moins élevés aux abords du périphérique est, nord et un peu sud aussi. Après, on peut choisir un rayon de lissage plus ou moins petit, plus ou moins grand. Si on prend un petit rayon de lissage, par exemple 400 mètres à gauche, on va faire ressortir des spécificités locales avec une carte qui n'est peut-être pas aussi synthétique. En revanche, si on prend un grand rayon de lissage, on va avoir une carte très synthétique, mais du coup au détriment des spécificités locales sur la structure des prix. Ouais, j'ai commencé à dépasser un peu le temps. Donc voilà, il fallait un mème dans cette présentation. Donc ça, le choix du rayon de lissage, c'est au statisticien cartographe de voir selon son besoin. Et voilà. Donc merci pour votre attention. On a du coup le package est sur le cran. On a un site web de documentation pour le package. On a une auto-formation dont je vous parlais, dont cet exemple est tiré. Pour ceux que ça intéresse, l'INSEE a publié un manuel d'analyse spatiale avec plus de détails théoriques sur cette technique du lissage. Et puis voilà, c'est en cas de question, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse mail. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors il y a plusieurs questions. Donc, mis à part le noyau quadratique, est-ce qu'il y a d'autres types de modèles de diffusion, d'autres noyaux qui seraient utilisables pour faire du lissage avec BTB ? Non, avec BTB, pour le coup, c'est fixe, en fait, la méthode, le noyau est fixe, enfin, c'est pas paramétrable pour le coup. J'avais un peu la même question, est-ce que vous projetez de permettre aux utilisateurs de rentrer leur propre noyau ou d'en proposer d'autres ? Honnêtement, c'est... Bon, en tout cas, ce n'est pas le choix qui avait été fait à l'époque. On ne met pas ça en cause. Je sais que mes prédécesseurs avaient testé d'autres types de noyaux compatibles avec leurs contraintes. Et en gros, ils en étaient arrivés à la conclusion que ça ne change pas grand-chose. Globalement, ils arrivent plus ou moins au même type de carte et tout ça. Donc non, c'est fixé et je n'ai pas l'impression qu'on soit sur le point de changer ce choix. Merci. Il y avait une autre question sur le carroyage. Est-ce que ça revient à ramener l'information à des quadrats de taille plus importante que l'information initiale ? Donc est-ce qu'en gros c'est de l'agrégation pour anonymiser les données de base ? Est-ce que c'est bien ça la définition du carroyage ? Anonymiser, c'est pas sûr dans tous les cas, même si ça peut aider, ouais, bien sûr. C'était plus pour comprendre la définition de ce que tu appelais carroyage. Le carroyage, en fait, c'est juste que si on est dans le cadre, on a des informations ponctuelles, on a des points sur l'espace, ce qu'on veut c'est simplement les agréger sur des contours. Enfin, là, en l'occurrence, l'idée, c'est de les agréger sur des contours, mais ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'il y a certains contours qui posent problème, en fait. Si on agrège nos données sur certains contours, notamment des contours administratifs, on est sujet à biaiser notre représentation du phénomène. Donc, le fait de... Là, les carroyer, en fait, c'est simplement prendre un découpage du territoire qui est neutre par rapport à nos données, avec une maille petite par rapport à notre espace d'analyse. Et donc, l'idée, c'est de voir observer notre phénomène assez finement, même si c'est erratique, et surtout sans biais de représentation. Merci. Et une dernière question, je crois. Pourquoi choisir de lisser les mètres carrés et les prix, puis faire le ratio, plutôt que de simplement lisser directement les prix au mètre carré ? Ok, c'est une excellente question. Il faut vraiment... C'est vraiment une question de pondération. Là, en l'occurrence, avec les prix au mètre carré, c'est pas forcément un exemple très pertinent pour illustrer ça, mais comment dire ? Il faudrait que je vous trouve un autre exemple. Mais en gros, le fait de séparer le lissage du numérateur et du dénominateur, ça, c'est une façon de pondérer en fait, les données. En fait, on perd toute pondération si on lisse un ratio qui est déjà formé, dans le cas où votre dénominateur porte en fait, en lui un poids, quoi. Typiquement, si vous lissiez juste le prix au mètre carré de chaque bien vendu, vous auriez une vision des prix au mètre carré lissé, mais sans pondérer davantage les grands logements, quoi. Alors, ça peut être acceptable dans cet exemple, c'est pour ça que c'est pas un très bon exemple, mais on pourrait se dire si j'ai un studio avec un prix de 10 000 au mètre carré et qu'à côté j'ai un grand F5 avec un prix de 7 000 au mètre carré.
ces deux biens vont jouer strictement pareil dans la carte de chaleur que je vais produire. Pourquoi pas, ça peut être acceptable, il faut juste avoir conscience de ce choix en fait. Voilà, c'est un choix sans pondération du dénominateur de votre ratio. Quoi. Mais voilà, bon, là, le contexte fait que ça ne me revient pas, mais il y a des exemples dans lesquels on peut pas, ce serait vraiment un problème de faire ça. Je sais pas, si vous faites un taux de pauvreté, vous avez des données sur des ménages, vous faites un taux de pauvreté, et typiquement, si vous avez un ménage avec une seule personne dedans, vous lissez les revenus, par exemple, à l'échelle des ménages, et que vous avez des ménages composés d'une seule personne, et à côté des ménages de 5, 6, 7 individus, typiquement, là, vous avez peut-être envie de pondérer vos données. Donc, mais c'est encore pas un super exemple non plus, mais bon, bref. Merci. En tout cas, c'est une question de pondération, quoi. Merci. Et puis, il y a quelqu'un qui demande s'il y a des stickers de BTB qui sont disponibles quelque part. Oui, ils sont... c'est une fausse question, ça. Je suis sûr que ça fait partie de la team INSEE, ça. Bien sûr, ils sont au stand INSEE. Il n'y a pas de stand INSEE, mais on a squatté un stand au fond de Dreamer. Et, voilà. Nos stickers sont là-bas, il n'y a pas que BTB. Merci beaucoup. Merci. Ça marche, ouais, c'est bon.